T'as envie de pisser ? Alors, durant l'épisode 2, on avait observé un échantillon de la faune locale et j'en avais profité pour faire une marche arrière avec un véhicule très polluant. Mettre en évidence le joyau de la collection. Et vous révéler que j'ai échoué à me racheter auprès des passionnés de véhicules japonais en achetant n'importe quoi. Vu que j'avais pas réussi à honorer ma promesse durant les deux précédents opus, on va tout de suite se remettre sur le chantier le plus folklorique du moment. La 409 RTC ou un truc comme ça, je sais plus. De toute façon, on avait un plan d'action très précis. On va tout foutre en vrac. Ouais, va falloir enlever les, les canalisations. Ah ouais, du coup, j'ai pas de 11. Alors, désolé. Dépression. Donc c'est là qu'on va faire notre trou. Et oui, c'est bien mignon d'avoir déposé le faisceau de la 206, mais il faut le faire passer dans la 205. Et pour ça, il faut un trou en plus. Franchement, à côté, le faisceau de la 206 fait presque envie, quoi. Il fait, c'est pour qu'un faisceau fasse envie, c'est... Ah, mais celui-là, ouais, j'ai vu des trucs ça. C'était pas terrible. Ce qui est pas étonnant, vu qu'une partie a cramé. On le met de côté, je t'ai libellé les trucs importants. Ouais, bah, là, tant que tu peux te relire dans 5-6 mois quand tu repasses, tu sais, ça va. Je te trouve médisant, regarde. Ça va. Headlight, right. Nickel. Nickel. Tu me l'as même fait en anglais pour moi, pour que je comprenne très bien. Ah, sinon, c'est gentil. Sinon, je sais que t'es perdu, genre. Komodo. Je sais que tu sais. Non, bah ça, c'est ça. Oui, voilà. Bah moi, je t'ai mis Stanks. Nickel. Je suis un mec sympa, quoi. Donc là, on y voit bien clair, tu vois. Ça, c'est les clignotants latéraux, les répétiteurs. Ouais. Même chose de l'autre côté, donc c'est facile. Les fils qui sont là. Ça. Et puis tout là, c'est la 206 qu'on a juste présentée et on va pouvoir tenter les passages une fois qu'on aura ressoudé une plaque qui nous permettra de nous refaire un trou. On ressoudé une plaque pour refaire un trou. En 80 mm. Tu l'as eu ça ? Non, j'avais pas encore commencé, je crois. Sur le bouton par erreur, ça a sauté dans tous les... Vas-y, remets-toi dans le trou. Là, on a un gros potentiel de cassage de poignet. Ah, c'est violent, hein. T'as déjà coupé en haut, tu vois. Il est parti de travers. Mais laisse tomber, t'as fini. Là, je pense qu'on l'a tout. T'as fini, ouais. Il faut juste... Marteau, c'est bon. Non, c'est bon, rien. Hop. En plus, c'est bien, ça a dessoudé la plaque. Ça a viré la plaque, quand même. Bah écoute, il y a juste un peu le bas à nettoyer, mais ça fait un trou rond. Ça a même niqué un croc, ici. Ouais, mais il mord très très fort, le truc. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement adapté à cet usage. Ensuite, bah on a peaufiné le trou parce qu'il était un peu brut de décoffrage, quand même. On aurait dû ranger avant peut-être. Ouais, non, mais travailler dans le bordel. Oui, c'est tellement mieux. Et oui, parce que quand il n'y a plus de bordel, je suis complètement paumé, j'arrive pas à travailler. Donc il faut tout laisser en plan n'importe où. Ensuite, bah on a fait passer le faisceau dans le trou, comme vous pouvez vous y attendre. Et ensuite, on a branché des prises là où ça voulait bien rentrer. Bon alors, à quelle distance du bout du rouleau te trouves-tu ? Je sais pas trop en fait. Je suis pas moi-même au bout du rouleau, mais... Tu vois, par exemple, j'ai très envie de mettre ce connecteur-là là-dedans, mais il coopère pas, donc ça doit pas être sa place. Putain, t'as vu, par rapport à celui d'à côté, on dirait son petit frère, hein. Ouais, mais... Lui, là. Lui, pour aller là-bas ? Peut-être. Non, c'est celui qu'on a déjà essayé, je crois. Ah. Il va pas. C'est un fameux bordel, quand même. Enfin bref, on a fini par brancher ce qu'on voulait à peu près, mais il manquait un moteur encore. Un détail qui peut avoir son importance. Faut pas faire ça. Aouh, putain, deux fois. Donc on a enlevé l'ancienne descente d'échappement pour faire place à la nouvelle. Et donc maintenant, place au 2 litres 16 soupapes de 177 chevaux provenant de la 206 RC. Paix à son âme. Un truc merveilleux. Vas-y, desserre ta vis. Serre. Je sais que j'y ai jamais transpiré. Il y a peu de gens qui connaissent ça. On a vu beaucoup là, ça charmait. Tu sais que je me suis fait chier pour rien pendant assez longtemps que j'ai jamais pensé. Et voilà, c'était la petite astuce de tonton Eddy. Discours de motivation pour s'assurer que oui, ça va bien passer, alors que ça paraît quand même bien bien juste. Lever ce côté-là et le faire basculer comme ça. Ah, c'est bon. Je redescends. Ouais, doucement. Ouh, on a toute la voiture là. Non.
presque. C'est pas simple, c'est, genre ouais, le mais ça, et... c'est le support qui prend un sacré dent. C'est la chose du compresseur. Hein. On le vire, hein, il y a quasi dessus. Dessus là. Une, deux, trois. Après, on n'a plus de corps d'accessoires par contre. Donc on a dit au revoir au compresseur de clim. Vas-y, pousse-le. Merde. C'est ça qui fait la merde. Là. En fait, on est en train de descendre sur le shifter de boîte. On est presque là. Je descends un peu plus. Laisse-le comme ça, peut-être pour l'instant. Bah, le mettre dedans complètement, lui. Oh, ouais, mais là, c'est bon, hein. On peut même mettre un écrou si tu veux. Ça qui va. Juste la DA ou l'alternateur aussi? Là, juste la DA. Donc, on a aussi dit au revoir à la pompe de direction assistée en se disant qu'on pourrait toujours la remettre plus tard. Au revoir. Puis après, bah, ça nous a fait plaisir de taper sur la voiture. C'est qu'une 205 GTI, c'est pas grave. Puis ça nous a fait encore plus plaisir de la disquer, je crois. Et oui, comment résister à l'attrait de ce spectacle d'étincelles qui en plus viennent vous chatouiller la tronche? C'est parfait. Et voilà, comme ça, ça rentre. Bon, pour être honnête, ça passait aussi sans doute sans coup de masse et de meuleuse, mais ça aurait pas le même charme. Ok. Par contre, il avait pas l'air franchement à l'aise là-dedans, il y avait quelque chose qui allait pas. Tout le moteur, il est trop... Oui, il est trop comme ça. Il est trop par là, ouais. Trop avancé de ce côté. Voilà. Et à mon avis, c'est à cause de ce support, là. À voir la vidéo, on dirait que ça nous a pris 2 secondes à trouver d'où venait le problème, mais en réalité, ça nous a pris un bon moment pour trouver comment faire. Ok, donc ça c'est bon, on a enlevé les spacers qui étaient là. On est bien droit, ça force plus sur le cylindre bloc là, sur le support. Et il faut qu'on trouve une bonne mise à la masse et ensuite je pense qu'on va pouvoir tout brancher et tester le moteur. Ok. On va voir si ça fait des étincelles tout de suite. À ce stade sans carburant, le mieux qu'on pouvait souhaiter, c'est entendre tourner le moteur au démarreur. Elle est où la clé ? Sur le Neyman normalement. Faut trouver où il est par contre. Merde, la clé est pas dessus. Ah bon ? Non. Ah, elle doit vraiment pas là. Ah non, c'est le Neyman de là, putain, oui, là, oui. Le mauvais Neyman. Il y a des man qui se baladent tout seul oui, quelque voilà. part. J'entends un relais. Bon, y a il pas se de... passe rien sur il se passe rien, mais je crois qu'on a juste pas de masse. Et hein. Voilà ce que ça donnait après avoir trouvé la masse manquante. Ah, c'est bon. Putain. Bon, bah voilà. En principe, on a de l'essence, ça saute. Hein. Demain. Flavien et Eddy découvriront très bientôt la différence entre en principe et en réalité. Mais du haut de leur illusion du succès, ils se lancent dans des opérations portant sur des aspects fondamentaux qui permettront de tester la voiture le moment venu. Un levier de vitesse, ça peut servir par exemple. Mais pour ça, il faut adapter le système de la 206 qui donne une nouvelle opportunité de faire voler les étincelles. Pas. Pas trop vite, pas trop vite. Ça marche pas. Non mais attends. Et dit la précision. Ça, c'est... il en reste deux. Hein. Il en reste deux. Pareil dans des conditions absolument. C'est indécent. C'est indécent. Eh oui, c'est ça. C'est... Bienvenue au Japon. Bon, j'ai déjà eu 2 minutes de toi perçant un trou, on va arrêter là. C'est non sans fierté que je peux vous annoncer que notre système artisanal semble parfaitement s'adapter. Voilà, vous pouvez m'appeler monsieur. Monsieur Eddy. Monsieur. Regardez. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. On a le bon débattement et tout. C'est... Et on l'a un peu remonté encore. Ouais. Faut surtout pas repeindre, hein, parce que ça enlèvera cette touche artisanale. On va pouvoir faire l'échappement. Bah, il y a juste, puis il reste tout que ça, quoi. Ça. Ouais, bref, on va. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le tofu. Ah, d'accord. Parce que c'est le Japon, donc il y a du tofu. C'est le tofu? Ouais. Donc, il y aura peut-être un petit jeu qui va nous. Je pensais qu'il livrait des tofu en AE86, mais c'est du foutage de gueule. En fait. Non, bah non, c'est un quelqu'un de merde. Parce qu'on n'aura rien fait d'ici là, si vous savez le numéro de cette pièce, de ce petit joint, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, parce que ça va être avec galère à trouver. Après tu sais, vous savez, le détordre à l'installer, mais... Ouais, mais il y a vraiment tout cassé. Non, je pense que ça le fait, hein. Et Jules ?
Ah, mignon. Voilà. Après, ça aura pas grande incidence, hein, tu sais. Ouais, c'est bon. Jules ne le sait pas encore, mais d'ici quelques jours, on l'appellera Juliette. Du coup, il donne des coups de patte dans les bouteilles, il en a marre. Voilà. Là, normalement, bah, normalement tu peux filmer, parce que là... Regarde l'intérêt, c'est un grand moment. Oula. Okay. Voilà, je suis au nôtre. Mm-hmm. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ouais, quand je parlais de grand moment, vous pensiez qu'on allait démarrer, mais non, c'est juste qu'on s'extasie devant le fait qu'on arrive à contrôler la boîte de vitesse. Galvanisé par tant de succès, on se lance dans l'adaptation de la descente d'échappement pour se reprendre sur celle d'origine de la 205. Peut-être là, c'est pas assez gros pour le prendre. Non, c'est trop petit. Hey. Je pense que c'est suffisant, hein. Bon là, on vous a épargné les 2-3 heures d'ajustement, hein. On a vraiment... Les 2-3 secondes d'ajustement. Dans le genre, on a du bol, tout passe, mais parfaitement, j'ai jamais vu ça. Et ils vont dire, mais c'est soudé avec le gaz, ça. Et non. Et par contre, on n'avait pas sélectionné le bon mode pour le poste. Mais ça y est, on est arrivé enfin au moment où on va pouvoir savoir si le moteur démarre ou pas. J'ai pas trouvé un truc qui correspondrait pour l'instant. C'est possible, mais je sais pas. Ah non, c'est pas ça, je voulais juste trouver le centre là. Flavien est content. Bah ouais, on a un tableau de bord. Je vais pas faire de... C'est très très bizarre. Pourquoi ? Oh, pour rien. T'as pété ? Mais non. C'est pas ça. Je peux le faire d'abord. Hein, voilà. Regarde. Hop, voilà. Bien. Et non. Et merde. C'est bon. Vas-y. Attends. Ouvre le papillon, s'il te plaît. J'ai ouvert en droit. Ah bon ? Ouais. Ah non, y'a un truc qui va pas. Ça vaut rien. T'as contact, Tommy ? Non. Ah bah là, je pense qu'il n'y a pas d'allumage. Et là commence une longue traversée du désert. Tout est branché, ça semble fonctionner normalement, mais impossible de l'entendre tousser. On est coincé. Ouais. Donc, problème d'immobilizer. On a quelques fils de l'immobilizer qui sont sortis et on sait pas quoi en faire. Et c'est pas sûr qu'ils aient déjà été branchés à quoi que ce soit. Je pense que celui-ci l'était. Et on en a passé des heures à essayer des trucs, à chercher dans tous les sens. Sur le contact, je crois. 205. Oui, oui. Le seul qui était vraiment content, c'était le chat, puisqu'il avait de la compagnie pour une fois, puis il se passait des trucs. Ok, bon. Donc, tu pars après-demain, c'est ça ? Et là, bah, on est prêt pour le prochain rallye, quoi. Oui, oui, hein ? Ça va très bien se passer, là. Il n'y a plus que la cage à monter, quoi. J'aimerais bien qu'on soit capable de dire combien de temps on y a passé déjà à essayer de trouver une solution au problème qu'on rencontre ici, mais... Ouais, beaucoup de temps. Ouais, beaucoup. Alors que par contre, monter le pot... Ah mais ça, c'était ridicule, quoi. C'était... Quand tu coupes tout au hasard, sans connaître ni les angles, ni la longueur, ni les diamètres... Et que tout s'assemble parfaitement... Voilà. C'est ce qui tient le moteur, hein. Tu enlèves la ligne d'échappement et ça te casse la gueule par terre. Je trouve ça assez impressionnant. Non mais enfin, je sais même plus ce que je fais. On essaie de rassembler des trucs, essayer de voir si... Le rouleau.
Y compris si vous avez déjà vu une 205 avec des phares de 206, ben voilà, c'est pas top. Non, c'est pas très joli. On avance un peu sur le diagnostic, hein, puisque concrètement, tout fonctionne, ça pourrait démarrer. Bon, il n'y a pas de pompe à essence, mais on a du nettoyant frein, ça fait le job. Mais on n'a pas d'autorisation de démarrage, il y a un problème d'anti-démarrage. Et on s'est rendu compte que rien ne fonctionne au niveau du Komodo. Donc on peut mettre le contact, on a branché le klaxon, mais il ne se passe rien. On met ce qu'on veut, les phares, il y a un clignotant là qui reste fixe. Mais non, il n'y a rien. Et lui qui s'allume et qui s'éteint quand il veut. Ouais, economy mode. Alors qu'on voilà. Voudrait démarrer. Hein. Et en plus, on est branché sur le chargeur. Je sais pas. On va encore bosser sur les masses. C'est peut-être. C'est pas une 206, hein, donc on a bricolé plein de trucs. On sait pas si on n'a pas fait une connerie, si on n'a pas oublié quelque chose. C'est pas la joie, mais ça va pas se faire tout seul comme d'habitude. Ah là, c'était la déprime. On était à quelques heures de l'échec et plus beaucoup d'idées à explorer. Alors on est allé se changer les idées. Ils ont une bonne tête. Mais j'ai envie de voter pour tous ces gens, moi. Comment choisir? Ouais, c'est celui de tout à droite, là, c'est bon. Je peux tester là. Cappuccino vite fait? Oui, je dis pas non. Hein. Ça peut être bien. Bon. Bah, on va aller chercher les clés. Ouais. Allez. Là, je sens bien que d'ici quelques minutes, en plus de pas avoir réussi à swapper une 206 dans une 205, je vais me rendre compte que j'ai pas acheté la bonne bite, enfin, la bonne K-car. Il y a de la place dans celle-là, hein. C'est bien, ouais, c'est pas trop, mais il y a plus de place dans la bite. Hein. Tu vois le différentiel claque quand tu passes les vitesses. Tu vois, tu l'entends un peu, le clop. Elle fait beaucoup plus voiture taille réelle que la bite à conduire, tu vois. T'as l'impression d'être un peu plus haut. Ouais, mais la construction même de l'habitacle et tout paraît quand même beaucoup plus solide. Hein. Ouais, c'est mieux fait. Oh la vache, t'as des amortisseurs à l'arrière. Ah, c'est fini. Sans cuir. Là, je te l'avais dit, hein. L'amortisseur, différentiel, vitre. Configuration d'origine du moteur? Complètement d'origine. Donc elle fait 74 chevaux. Voilà, à peu près. C'est ça. On refait un tour? Ouais. C'est vrai que celle-là, elle met plus à l'aise. Mais la bite d'un autre côté, bon, il y a un peu de travail à faire. Hein. Celle-ci, elle est trop riche. Elle roule trop riche. Oui, mais je parlais pas forcément de l'état mécanique purement, mais même pour le chef. Les suspensions de la bite sont meilleures état que celle-là. Elles sont meilleures. Ouais, mais oui, on est bien dans celle-là. Franchement, même la vue sur le capot et tout est bien sympa. C'est vraiment une petite Miata, quoi. Ouais, c'est cool, hein. C'est très cool comme voiture, il faut admettre. Moi, j'aime bien les deux. Il faudrait presque la bande-son de la bite avec la niaque de celle-ci, ouais. Et le reste. Voilà. Je tente un 0 à 100. Ouais, on peut. Ça peut sauter un peu, ouais. Non, c'est bon, on les a fait. Normalement. Ouais, j'aurais pas voulu me le prendre à pleine vitesse celui-là. Oh, les bourrés, tu disais. Putain, les suspensions sont. Ouais, c'est vraiment dommage qu'on se rende pas vraiment compte à l'image, mais c'était vraiment, vraiment drôle en fait. Pas besoin de direction assistée. Non, ça va.
Celle-là, tu peux taper dedans, par contre. Tu vois, celle-là, ça me dérange pas. Oh, mais il n'y aura pas besoin, rien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Français se garer. Hein, ça marche, le klaxon. C'est juste pas... pas c'est la parisienne. Non, c'est pas très mignon, le klaxon. Là. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un... Cool. Voilà, on vous disait que potentiellement, les suspensions mériteraient un petit rafraîchissement. Essayez de la faire sauter. Ah non. Pas loin, hein. Ouais, c'est moins pire, mais c'est pas génial non plus. Relâche. Non, c'est nul. Mais sur la route, c'était moins catastrophique que l'arrière. Quoi. Ouais, il te faudra inonder une autre cappuccino pour aussi, compléter ça. Oui. Bah, ça. Oui, en plus, quand tu les gardes de travers, ça fait la place d'une voiture. Quoi. C'est l'avantage. C'est bon. Bon. Il faudrait presque que tu fasses un tour aussi avec celle-là. Ah hein. Oui. Il faudrait que tu l'essayes. Les clés sont pas dessus d'ailleurs. Non, je crois que je les ai enlevées. Hein. Et oui, l'autre couillon, il va au Japon pour faire de la mécanique sur une 206 et sur une 205 pour ensuite essayer une Clio. Il y en a qui doivent s'arracher les cheveux. Oui, bah il y en a toujours, hein, du café. Ça démarre ? Ça démarre ? Allez. Ça démarre. Première fois en Clio RS. Première fois en Clio RS ? Ouais. Pas première fois en Clio. J'ai déjà conduit 1,2 litre 60 chevaux. Oh, attention. Tout ça, ouais, je sais, c'est très impressionnant. Bah vas-y, grimpe, je te la fais tester juste après. Ouais. Oui, c'est celle-là, ouais. Oui, ça marche bien, ouais. Wow. Faut déjà trouver une place. Vous noterez quand même la pratique typiquement SLG. Là, c'est à la hauteur de ma tête, hein. Là, je monte un peu, mais normalement, ouais, moi, je suis comme ça. C'est... Mes yeux sont pas plus hauts. Celle-là, elle a pas la clim du tout. Ah, c'est la bonne heure pour conduire. Ouais, mais c'est très bruyant. C'est tes pneus qui sont très bruyants, tu m'avais dit, je crois. Hein. C'est quoi? Tes pneus. Oui, aussi, oui. Donc c'est le levier pour passer la seconde, ça. Voilà, c'est ça. Alors le moteur est d'origine. Hein. Ouais. Ça, c'est le différentiel. Donc c'est un 172. Il fait 162 chevaux, c'est pas en général en rallye. Enfin voilà, il y a toujours un bon boulot, ils arrivent à 200 chevaux. Et ta boîte, c'est plus court que l'origine, là, très non court, ouais. C'est voilà, très on court, est à 3000 tours en troisième. Ouais, bah ça traduit bien sur quel genre de rallye tu roules avec, quoi. Ouais, voilà. Ouais, les routes des rallyes que parcourt Flavien, j'appelle ça des pistes cyclables. Boîte d'origine, oui. Il n'y a pas de... C'est pas une boîte à crabeaux ni rien. On n'a pas vraiment investi... Bon, t'es prêt? Ouais. Qu'un jour je retourne au Japon pour me pisser dessus en tant que copilote de Flavien durant un rallye local, libre à vous de me l'ordonner en commentaire. Et si c'est vous qui êtes tenté de conduire cette Clio, je vous rappelle que Flavien la met en location via son site récemment mis en ligne. Par contre, je vous préviens, il est ronchon quand on roule trop doucement avec ses voitures. Ah oui, merde, y a ta femme, elle est cherchée. Elle a essayé de m'appeler ? Elle m'avait dit qu'elle arrivait dans 35 minutes, il y a 40 minutes, je crois. Il y a une heure.
Elle n'a pas essayé de m'appeler. D'accord, bon, c'est bon signe. Pieds nus, ce sera mieux. Ouais. À toutes. Pieds nus, tout est toujours mieux. Et après une nouvelle soirée d'échecs sur la 205, j'avais de nouveau besoin de penser à autre chose. Il y a des soupapes de rechange. Parce que de temps en temps, pendant le trajet, il faut changer une soupape. C'est pas la forme. Ah, ça fait longtemps qu'elle a pas tourné. Pas besoin de tout savoir. Quand elle sera chaude, ça ira mieux. Ou pas. Bon, là, je me sens absolument pas obligé de vous présenter la voiture. Tout le monde la connaît, hein. Déjà, donc je t'ai dit, c'est les essuie-glaces de Testarossa ou de F40 et tout ça, oui, c'est là. Il y a une bougie qui est pas tout à fait dans l'axe. Dans l'axe. Merde, tu tues. Ah oui, tu tues. Là, au niveau du milieu, là, il se passe pas grand chose, tu vois. Mais il y a une géo qui est complètement à l'ouest. Donc, du coup, tu vas lourdement insister là-dessus, mais c'est vrai que sachant vraiment... que c'est quand même l'argument principal de la voiture. Ouais, c'est censé être le volant, il est fantastique et tout. Ouais, mais ça tient trop bien la route, oui, quand elle est sur la route. Tiens la plaque. C'est nous. Là, c'est bon, on est dans l'ambiance rallye. Elle est pas en forme, en forme. Mais en dessous, à bas régime, ça passe encore. Ouais, tu les vois, là, puis voilà, là, ça commence à misfire. Dès que t'as, en fait, le truc qui clignote, ouais, c'est du misfire. Là, tu vois, là, ça va, 4 mm-hmm. pattes. Dès que c'est un peu trop rapide, elle est en panique totale. D'accord. Tu veux essayer? Eh ben, oui, première fois en delta, ça peut être cool. La pédale d'embrayage la moins ergonomique qui existe. Tu vas te déboîter la cheville en l'utilisant. Ouais, je pense que le para, il doit être comme ça. Complètement là, ou, à l'ouest, ouais. Ouais. Oh, ah ouais, ouais, non, non. Oh. Ah, mais tu rigoles plus, hein, là, hein, hein, tu la sens, là, la précision, des là. Des camions plus réactifs, ouais. Ah, ton problème, c'est quand t'es à haut régime et que tu sollicites la surale. Mm-hmm. Mais si tu fais comme ça, regarde. Ouais, là, ça va. Sur 4 pattes, tu vois. Ouais, ouais. Mais par contre, dès que t'as besoin de beaucoup de carburant, un peu plus en haut, tu vois. Ouais, et là, j'ai ouais. mis une gaz en grand et rien. Ouais, ouais, bah oui, ça. Mais c'est vrai. Enfin, tu regarderas de toute façon la gueule de la bougie. T'es sûr que t'as distri? Ouais. Ouais, ouais. On l'entend beaucoup, hein. La courroie. Ouais. Bah, elle est bien serrée, bien. Ouais. J'ai vérifié il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est peut-être trop tendu, là. Tu crois? C'était à droite, là. Ah merde. Parce que ça, c'est un bruit normal de Delta. Hein, et puis là, on s'est senti inspiré par toute cette électricité italienne Magneti Marelli et on est retourné dans le garage voir si Jules avait réglé le problème en bouffant une partie du faisceau. On va tester un truc. Ça là, pour le truc, niveau truc à la conf, on a mal... Non, ne dis rien, c'est... Là. Ouais. Ok. Ah putain! Wow! Yes! Oh la vache! Oh putain! Je t'avais dit, c'est toujours un truc à la con! C'est toujours un truc à la con! Si jamais vous faites le même swap, sachez que chez Peugeot, on aime. Tous les boutons sont les mêmes. Les connecteurs, vous pouvez en avoir 5 pareils. Et donc, on avait mis celui-là. En lien avec le COM 2000 qui fait pas seulement gérer les Knio et les Commodo, mais c'est aussi lié à l'antenne du Neyman.
Merci au monsieur qui a posé la petite photo, qui nous a permis de voir que les fils sont un peu différents. Tout à fait, ouais, on a vu ça, on s'est dit, tiens, ça vaudrait peut-être le coup de vérifier. Là, il y a quand même beaucoup plus de fils ensemble que sur celui qu'on avait branché. Sur celui-là. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'on a branché avec, mais ça n'a rien à voir. Ça tourne ? Ça tourne bien. Ah putain, il faut savoir qu'il part demain matin. Hein. C'est ouais, là donc il était temps d'arriver à faire quelque chose. On va aller voir où en est Clara, sa préparation, et si elle n'est pas encore prête, à la limite, on capte notre pompe à essence. Je me souviens déjà plus de rien. Mais non, dis pas ça. Ne sois pas si négatif. Et donc voilà, on a branché notre pompe à essence de 205 à l'arrache. Ça, vas-y, appuie. Il y a zéro, il n'y a même pas de pression, quoi. Non. Il n'y a pas d'essence sous la voiture, c'est... Et après avoir insisté un peu plus... Oh yeah. T'es prêt? Je suis prêt à couper aussi si elle monte dans toute seule dans les tours. Plus potentiellement tous les trucs qui sont collés dessus, ouais. Sont lambda et tout. Et voilà. Ça sonne bien, hein. Je pense qu'elle sonne déjà beaucoup mieux que sur la 206, là. C'est... Il y a tout de suite plus d'intérêt. Oui. En tout cas, ça démarre. Alors, malheureusement, vu le retard accumulé, et sachant qu'on repartait le lendemain, on a laissé tomber l'idée de la faire rouler, mais... Encore une fois, si vous y tenez beaucoup, on peut imaginer une revanche. Donc, on a profité des dernières heures de cette dernière journée pour aller se balader un peu. Si vous voulez vous faire une idée du prix du carburant là-bas, sachez qu'à ce moment-là, 180 yens, ça faisait à peu près 1 euro. Ça, c'est un pachinko, ça. Pachinko ? Les jeux d'argent sont interdits au Japon, les casinos, tout ça, il n'y en a pas. Ouais. Mais à la place, ils ont des pachinko. Le principe du pachinko, c'est en fait, bon, c'est des boules qui tombent, etc. Et tu gagnes, c'est... Ouais, mais y a plein de... C'est extrêmement bruyant. Ouais. Et le truc, c'est que en fait, t'as pas de jeu d'argent, mais tu peux échanger les cadeaux. Waouh. Après, on allait faire du shopping. Bon, pas le même shopping que Clara, hein. Regarde en plus. Ils utilisent une Alpha 155 pour faire leur Ouais. Elle est encore là, c'est la même Alpha 155 qui teste tous les tricks. Mais est-ce que c'est une 155 Twin Spaghetti ? Pour les fluides. Bon, bah, niveau pour de la pub, KTC c'est Kyoto Tool Company, c'est du très gros niveau. Ouais, mais il me faut que j'en rachète une. Nettoyer en France, on va pouvoir remplacer celui qu'on a vidé presque dans la 206. Ça se trouve, celui est inflammable, c'est comme ça. Après, on est allé voir un magasin de pièces auto assez répandu au Japon. C'est pas cool, ça. Et là, tu vois toutes les pièces que t'as, que tu leur amènes et qu'ils reprennent 50 yens. Ah ouais ? Ouais. Toujours ça de prix, hein. Tu vas avoir des roues dégueulasses, des trucs qui sont en train de filmer en plus. Oui, parce que c'est de l'occasion. J'avais pas vu que t'étais en train de... C'est de l'occasion aussi, beaucoup ici, non ? Oui, t'as des roues absolument immondes. Ouais. On va trouver des trucs vraiment, vraiment dégueulasses. Mais bon, je vais voir, c'est... Faire le petit Roland de vomi, là. Tu les as même bien amochés, tu vois, déjà. Mmh. C'est le modèle de démonstration, c'est pour ça. On va faire un concours de celui qui trouve les roues les plus dégueulasses. C'est déjà pas mal moche, ça, tu vois. Ça, c'est déjà aussi très bien. Avec des Black Diamond, là. Hein. Mm-hmm. Oh, ça, c'est dégueulasse. Ouais. Regarde, c'est pour ta Jaguar. Pour ma Jaguar. C'est smack, c'est des smacks. Là-dedans, on trouve des postes Nakamichi à des prix imbattables, mais Flavien m'a fait remarquer à juste titre que les fréquences radio au Japon sont pas les mêmes que les nôtres. Au global, un bel assortiment de pièces hétéroclites posées dans un ordre a priori anarchique, mais dont la logique doit simplement m'échapper. Ah, par contre, vous pouvez acheter un lot de pièces qui ont rien à voir avec les unes avec les autres pour un prix imbattable. Ils vendent vraiment des trucs, tu vois, c'est improbable. Oh bah tiens, haute garniture de porte de je sais pas quoi, de Toyota bidule. Logiquement affiché à côté des amplificateurs audio. J'avoue avoir cherché un ou deux trucs hyper kitsch pour la Honda, mais j'ai su rester raisonnable. Turbo Timers, un truc comme ça. Speed Limit Defensor. Parce que c'est limité à 180 ici.
les bagnoles. Elles sont toutes limitées à 180 de base. Donc en fait, t'as ça pour suivant la bagnole. En fait, tu vois, c'est HKS qui fait ça suivant la voiture. Mmh. Les... Pour pouvoir outrepasser le truc. Voilà. Bon, après, vu les performances de mon nouvel organe génital, on va pas avoir besoin de ça a priori. C'est exactement ce que je cherchais. Voilà, elles sont tous les trucs là, normalement tout ce qu'ils ont c'est listé en ligne aussi sur leur site. Donc, ouais, donc ça facilite les choses. Et on est dans le domaine du son et lumière, c'est beau. Super 4, ça irait bien dans ta Jaguar. Bah après voilà, tu trouves la pièce là, puis il te reste plus qu'à acheter la voiture qui va avec quoi. Voilà. Non, par contre sur la Beat, je verrais bien ça, tu vois. Ouais, ça, c'est pour faire peur aux gens. Mais bon, là, Clara commençait à avoir faim, donc elle devenait un peu agressive. Il était temps de rentrer, préparer les bagages et manger. Oh, Max. Ça, c'est le QG de campagne, d'ailleurs. Ah là, c'est le moment idéal pour lister un échantillon des noms improbables de véhicules vendus au Japon. Donc voilà la Tokote, pour commencer. On a évidemment cité ma nouvelle Honda, qui phonétiquement se réfère à un organe génital. On a aussi zoomé sur un lapin, à défaut de trouver une version chocolat ou d'avoir vu un Nissan S-Cargo. Et contrairement aux voitures chinoises, les productions japonaises ne portent jamais de nom japonais, à ma connaissance en tout cas, même quand c'est uniquement destiné à leur marché. D'ailleurs, quand Subaru décide de concevoir une version spécifiquement pour l'Amérique du Nord, il la baptise Brat. The Subaru Brat, fun on wheels. Soit morveux. Nickel, quand on vise une clientèle de jeunes. Bon, tout le monde connaît la problématique du Pajero, je crois, mais chez Mitsubishi, ils sont souvent sous acide. Pour appeler un pick-up Mysterious Utility Wizard, soit littéralement assistant d'utilitaire mystérieux. Toujours au sujet de laborieux, ils ont quand même réussi à baptiser un camion également Super Great Dump, qu'on peut traduire par décharge super géniale. Mais le français revient souvent se coller au modèle japonais, bizarrement. Donc voici le chariot à garer à côté d'une palette ou devant une porte. Mais attention, soyez délicat et passez un coup de chiffon après utilisation. Ah puis tiens, même s'il a jamais été produit, voilà les initiales d'un prototype Mitsubishi. Soit Mitsubishi Mini Active Urban Sandal. Bon allez, on clôture cet aparté avec la Nissan Avenir. Salut. Ça sort vraiment de nulle part. Bref, bon, on peut revenir à la fin de notre séjour et bah, après avoir fait les magasins, Clara voulait voir la 205 démarrer de ses propres yeux. Oui. Clara ne croit pas qu'on a réussi enfin à la faire démarrer. Vas-y. Hein ? Doucement par contre. Hein. Ouais, doucement. Hein. Bah ouais, c'est une 205 RC. On aurait dû montrer le moteur. Il est tellement puissant qu'il se cabre à donf en arrière. Il se cabre à fond et puis ça fume un peu. Pourquoi ? De pas pouvoir rouler avec ? Bah oui. Bah là, non mais là, c'est trop clair. Hein. Hein ? Ah oui. Et lui aussi devant mes yeux. Il a une sale gueule, mais... Oula ! Non mais tu te demandes qui a cassé le verre ? Bah voilà. Par contre, le truc ultra frustrant, c'est que le klaxon fonctionne pas. Bon, allez, hop, on tient, hop, et voilà. Bon, c'est l'heure du départ. J'ai pas envie de partir, mais ça va bien falloir, mais, parce qu'il y a quand même des engins sympathiques par là. Le plus surprenant, finalement, c'est qu'on a réussi à rentrer les bagages dans le coffre. Donc sachez qu'on peut mettre 5 valises dans le coffre. Il y en a une au fond encore. Et dedans pour Clara et le reste des affaires arrive. Donc Clara. Donc Clara. Non, mais ça va, hein ? Oui. Bye bye la SL, à bientôt. On va dire au revoir à Jules. Je vais lui donner à bouffer. Ça va mieux, non ? Regarde comme t'es plus beau qu'au début. Hein ? Et puis, ouais, tu me donneras des nouvelles de la 205. J'espère que tu vas continuer à garder la motivation, hein ? Oui, 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 quand même. Est-ce qu'il reste du boulot, un petit peu ? Ça va être lent, ça, c'est certain. Ouais, moi, tu connais les urgences. Bon, bah, bye bye Peugeot, hein. C'était cool, c'était un peu pas comme prévu, mais ça s'est bien passé bye quand bye même. Peugeot, bye bye Japon. Eh oui. Donc si tu veux dire au revoir, c'est le moment. Bah, c'est dire au revoir, je sais pas où s'arrête la vidéo, mais le voyage au Japon s'arrête maintenant, à peu près, parce qu'il y a le trajet sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'il y a ? Un commentaire ? T'en rajoutes. Non, je suis triste.
Oui, voilà, t'en rajoutes, c'est exactement ce que je dis. Le Japon, c'est comment? C'est trop bien, ça va. Bon, si ça se trouve, je touche pas à la Peugeot, en fait, et je t'attends. Non, je pense que c'est pas... J'attends le repassage. Disons qu'il y a des gens qui vont perdre patience si tu fais ça. Bon, bah, allez, direction l'aéroport. T'es parti, mon kiki, et on est un peu en retard. Au revoir la bite. Au revoir la bite. Les enfants, c'est vraiment pas autorisé, c'est une prison, ça. Moi, bah, on y va, à la prison, de toute façon, autant que ça soit pour quelque chose, quoi. C'était la fille du ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la... Égérie du Japon et symbole de ce voyage, à qui j'ai d'ailleurs dédié un petit clip vidéo juste après. Improbox. 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 Avec une petite échelle dessus. Putain, le mec, il est souriant, il est en train de travailler. Improbox. Lui, ça va, il s'amusait pas. Improbox. 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 Probox. 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 Il y a des Probox d'Osaka, c'est eux. Ils sont trouvés sur l'autoroute. Voilà le genre de bateau qui va embarquer la bite et la Mercedes bientôt. Bonjour. Bon, clairement, faudra revenir pour acheter ou au moins essayer une Probox. La voiture à l'austérité joyeuse, à l'unique bande AM et à l'interdiction de s'amuser à son bord. Une des merveilles les plus répandues au Japon. Ça coûte moins cher. J'ai envie de pisser, ça prend. Avant de rentrer dans le terminal, je suis tombé sur un véhicule que j'aime particulièrement, j'admets, même si c'est du moderne. C'est au moins une V6, quoi. C'est même pas une S-Type, je sais plus comment ils appellent. C'est Air Dynamics. Et voilà, c'est pas sans émotion que ce long périple prend fin, tout comme ce troisième et dernier épisode de cette trilogie qui sort des habitudes de la chaîne. J'espère vraiment que ça vous a plu malgré tout. Et je serais donc reconnaissant si vous avez été attentif tout au long de nos imbécilités. Et maintenant, si vous voulez la suite, il va falloir compter sur un bon 15 nœuds au mieux, donc ça risque de prendre un peu de temps pour parcourir les 15 000 km qui nous séparent. Heureusement, on a de quoi s'occuper, et même un peu de lecture exotique. Alors, encore merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce voyage possible, et en particulier à Flavien, évidemment. Et puis, à bientôt, avec n'importe laquelle. Ciao.